Salut les amis, bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de voler des coupons des autres. Donc, ça va vous permettre d'avoir des coupons des autres sans qu'ils vous envoient. Avec cette astuce, j'ai validé un code de 1500. Donc j'ai validé un code de 1500 avec cette astuce. Donc restez scotché jusqu'au fin de cette vidéo pour bien comprendre cette astuce. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des astuces paris sportifs et de business en ligne. Donc directement, je vais vous montrer l'astuce en question. Donc comment voler des coupons des autres. Premièrement, vous cliquez sur n'importe quel événement. Vous choisissez n'importe quel événement. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur ajouter au coupon de Paris. Donc vous l'ajoutez au coupon de Paris. Et après, vous partez maintenant sur coupon de Paris. Comme vous voyez, j'ai ajouté l'événement. Et maintenant, vous cliquez sur ce petit flèche qui est loin en haut. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur enregistrer le coupon de Paris. Vous cliquez sur enregistrer le coupon de Paris. Et maintenant, vous cliquez sur OK. Donc vous cliquez sur OK et vous copiez le coupon. Et vous copiez le coupon. Comme vous voyez, le coupon a été copié. Maintenant, ce que je dois faire, je supprime ce que j'ai choisi. Et je clique encore sur cette flèche. Je clique encore sur ça. Et maintenant, ce que je dois faire, je clique sur télécharger le coupon de Paris. Donc je clique sur télécharger le coupon de Paris. Et maintenant, je dois coller le coupon que j'ai copié. Donc maintenant, je colle le coupon que j'ai copié. Et la technique ici pour envoyer le coupon des autres, c'est quand vous enregistrez un coupon de Paris, les numéros qui changent, ce sont les premiers numéros. Donc, pour avoir les coupons des autres, vous changez juste le premier numéro. Comme je l'ai dit, vous changez le premier numéro. Vous pouvez mettre de A à Z. Donc, vous pouvez commencer de A jusqu'à Z. Ça va vous montrer des différents coupons. Parfois des fixes, donc des très belles coupons, des grosses cotes aussi. Donc maintenant, je vais commencer avec A. Je clique sur OK. Comme vous voyez, voici un coupon. C'est pas mon coupon, ça, c'est un coupon d'une autre personne. Donc il a enregistré ça avec cette code. Donc c'est un coupon d'une autre personne. Comme vous voyez, ce sont des très belles cotes. Voici un code de 13 000. C'est un code de 13 000. Et je vous assure, ça passe. Ce sont des grosses cotes, mais ça passe. Et maintenant, si cette code ne vous va pas, si vous ne voulez pas cette code, vous pouvez le supprimer. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez partir de A à Z. Vous partez encore sur télécharger le coupon de Paris. Vous mettez encore le même code et vous changez encore le premier numéro. Maintenant, je vais mettre B. Et je clique encore sur OK. Maintenant, je clique sur OK. Comme vous voyez, voici encore un autre coupon. Donc, ce sont des coupons très fiables. Et quand vous téléchargez les coupons comme ça, il faut aussi bien analyser. Donc vous analysez
Ne misez pas seulement sur n'importe quel coupon. Il faut analyser. Donc vous analysez aussi. Vous regardez aussi la fiabilité du coupon avant de miser. Mais comme je vous avais dit, c'est une très belle méthode. Ça m'a permis de valider un cours de 1500 la semaine passée. Donc j'ai décidé que je dois vous montrer cette astuce. Donc c'est une très belle astuce. Donc comme vous avez vu, maintenant si ceci là ne vous convient pas, vous pouvez encore le faire. Maintenant je vais faire la dernière fois. Je mets encore le même code. Je change encore le premier numéro comme je l'ai dit. Vous pouvez partir jusqu'au deuxième numéro, mais ça dépend. Maintenant je vais mettre D. Non, maintenant je vais mettre G. Je clique encore sur OK. Comme vous voyez, il y a erreur. Donc il n'y a pas de coupon avec cette code. Je fais encore. Je mets encore le même code. Et je change le premier numéro. Maintenant je mets E. Et je clique sur OK. Comme vous voyez, voici encore notre coupon. Donc ce sont des très belles coupons qui se valident aussi très très régulièrement. Donc vous pouvez faire comme ça, vous changez, vous pouvez partir de A à Z. Vous allez voir des très belles coupons. Comme je l'ai dit, vous pouvez partir de A à Z, vous changez juste le premier numéro. Vous pouvez aussi partir jusqu'au deuxième, mais ça dépend. Donc vous changez juste le premier numéro. Maintenant je mets Z. Vous voyez, voici encore un autre coupon qui est aussi très bien. C'est aussi la même chose avec Betwinner. Donc si vous utilisez Betwinner, c'est aussi la même chose. Si vous utilisez Betwinner, vous cliquez encore sur un coupon. Vous cliquez sur ajouter au coupon de Paris. Vous partez sur le coupon de Paris. Vous cliquez sur le coupon de Paris. Et vous faites la même chose. Donc vous cliquez sur cette flèche. Vous cliquez sur enregistrer. Donc c'est la même procédure. Vous cliquez sur OK. Et vous supprimez ce que vous avez sélectionné. Et vous cliquez sur télécharger le coupon de Paris. Vous collez le coupon de Paris. Vous changez juste le premier numéro. Si ça ne va pas, si ça montre erreur, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupon avec cette code. Donc vous changez ça encore. Vous changez des numéros jusqu'à ça vous donne un coupon. Donc merci beaucoup les gars d'avoir visionné. N'hésitez pas de vous abonner. Comme vous voyez, voici un coupon qui est affiché. Donc n'hésitez pas de vous abonner. Et je vais laisser le lien de mon canal Telegram en description aussi. Pour ceux qui n'ont pas encore intégré. Merci beaucoup. N'hésitez pas de partager cette vidéo.